Bonjour Johnny, bonjour Guerrier. On a profité de saluer évidemment tout auditeur, tout téléspectateur. Première occasion qui sont émission. M'a songé on le loin au côté de Burundi. Bon sur internet, moi m'a écouté qui connecte régulièrement à pays. Moi c'est vraiment un plaisir pour moi pour me la matin pour me venir passer petit moment ça avec nous. Nous pourrions font parler avec le premier ministre là et n'a make sure que nous parler l'essentiel guerrier parce que nous pas pour le premier ministre là souvent. Donc n'a profiter quand même échanger et sous ça nous échanger pour pays capable plus ou moins édifier. Nous allons essayer de garder gouvernance avec PM, nous allons garder sécurité, nous allons garder élection, probablement nous allons garder de l'autre question qui est capable d'intéresser le public. Là. Monsieur le Premier ministre, désigné, nommé, installé, ou prend fonction officiellement, nous souhaitons expliquer ça depuis le 12 juin. À qui sentiment ou tu accepté pour un job Premier ministre dans la conjoncture? Avec mon sentiment de. Quelqu'un monde qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons pas aucune illusion sous défi. Nous comprenons que le moment est tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timonio. Nous avons suivi les données. Nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment est venu pour nous capables d'offrir service. Nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à Amka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Je souhaitais que nous prenions l'occasion pour nous parler de ça un peu dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant et que peut-être que nous pas souligné suffisamment. C'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique qui a gourmé entre eux depuis des années. Pas jamais quand Antonio Soin arrivé battre un consensus autour d'une structure de gouvernance côté eux toutes qui ont participé. Ça pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça est arrivé à Antonio, son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il est arrivé faire confiance à un monde que pas qu'on empile, et au mandé pour qu'imbé neutralité ça, pour le capable d'aider pays à traverser cette transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde de temps devenir, comment est le job là? D'abord, je ne suis pas tellement quand un job, pour te dire honnête. Je suis vraiment quand un engagement personnel. Et pas nous avons 600 000 personnes qui sont déplacées aujourd'hui, qui quittent Kayo, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié population qui a une insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons gang qui contrôle 80% pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons économie pays qui a détérioré. Nous avons secteur privé à craser. Nous avons 150 000 plus qui partent dans Biden. Pays nous en Haïti, dans une situation côté l'ap sombre. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter main forte. Maintenant, nous ne pas attendre à ce que nous avons un gros succès dans 2 semaines, dans 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâches. Là, la seule chose que moi-même, Kabay, auditeur, garantit, c'est que nous n'avons pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien. Pour ne capable pas jamais tourner dans la situation que nous avions avant. Au départ, oui. On n'a pas dit donc, depuis, on n'a pas regret que tu aies quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à rien regret. Au départ, monsieur le PM, il y a mon perception qui était ouais autant pour un premier ministre Made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au conseil présidentiel de transition par la communauté internationale. Notamment les États-Unis. Après, il y a l'autre monde qui pourrait l'estimer, bon, c'est M. Coney avec l'équipe Lé qui a essayé et utilisé un stratagème pour le cabre monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne peux pas tellement comprendre la question. La question, c'est que, dans la perception, il y a un monde qui croit que M. Coney, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé au conseil là. Pour que ces blancs t'aient imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle, comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs, qui font plusieurs conversations avec nous et avec un pile d'autres monde.
sous vision nous, sous comment nous ouais problème insécurité, comment nous ouais transition, qui contribution nous cabaye, qui dénier. Et éventuellement, CPA fait un travail extraordinaire, il réunit trois mondes de qualité, digital par là avec eux, et sous base conversation que gagne, ils font choix. Donc, moi-même, personnellement, je suis au courant et je ne comprends pas non plus que conclusion ou perception. Son perception, c'est tellement mal placée. Ça a été une décision haïtienne, tout comme constitution, conseil présidentiel. Là, ton décision haïtienne. C'est haïtien qui choisit 9 membres. C'est haïtien qui choisit, en ce moment-là, constituer gouvernement. Et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis avec un exécutif bicéphale, comment relation Gary Conillé comme Premier ministre avec le Conseil présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation lui? Merci Johnny, parce que question ça importante. Pour moi-même, relation aussi prévisible que le TKE. Ou mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment vous payez, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, gagne des intérêts politiques. Donc, l'homme mettez tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous avons des moments, côté, nous avons challenge une autre. Nous avons discuté avec conviction, nous avons voulu pousser point de vue, nous, sur un point ou l'autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas de précédent pour ça. C'est premier fois, le gouvernement monte en 1 semaine. Donc, là, on dit, ça nous fait en 6 semaines. Soit, regardez de manière historique, en 6 semaines, c'est le gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence. Nous montons le gouvernement là 1 semaine. Nous changeons chef la police là, en l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons, nous, je dis, à la, sous une série de directeurs généraux rapidement. L'avancée sur de feuilles de route qui définit exactement ça, nous pouvons le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui, pour banon l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui, traditionnellement, historiquement, sous gardés bien, pas jamais entendu un soin, mais qui, je dis, a fait le grand pas, le grand sacrifice, parce que tout le monde comprend que le pays est en danger. Et sous gardé le perspective, ça, peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et là, est-ce que c'est vrai que Gendéle, nous chitons ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous? Mais la marge, la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrivait dans le travail, nous, quand il y a des désaccords, des divergences. Absolument, et c'est prévisible. Mais nous mettons sous un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortit de perspectives différentes, qui sortit des orientations différentes, qui sortit de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents, et que vous avez systématiquement entendu sur tout le bagage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité, ça. C'est parce que, justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective parle, mais que, en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher qu'autre consensus là. Et moi, je me dis, jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre, relation, ça qui existait entre, ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la CAI, conseiller Gilles et gain pile parole qui a parlé version propre qui s'allait. Pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité la CAI côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondons présents. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand on président, on conseiller présidentiel avec le Premier ministre, comme je suis sûr qu'on comprenne, c'est bon, bah, que j'aime bien de me discuter. Non, mais l'État va aller, la mise en route, il faut dévoiler qui s'est Non, version PM, là, c'est qu'il a été reçu par le président Chil chez lui, avec d'autres présidents et d'autres invités, et c'est tout ça seulement qu'a dit. Je ne commenter son ni bien ni mal, je suis un président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte, vous comprenez que c'est bon, bah, nous allons mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapportée et sous rapport là, il y a des gens qui dit est-ce que PM est obligé à un type de rapport comme ça, par rapport à ça, il y a un rapport qui est discuté, par rapport à ce rapport là, tu as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important. Puis, on était capable de discuter. Donc, voilà pourquoi il y a des gens qui disent. Donc, il n'y a pas de nécessité. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité, on pourrait ministre la Cali, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité.
Oui, je respecte ça, son perspective. Mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour coûter. Je ne sais pas, moi-même, la perspective, pas moi, l'expérience, pas moi. L'opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter de, pour joindre un consensus, pour mener mon avant, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous bras ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, ce n'est pas seulement comment nous parler approcher gang, il y a un défi, c'est Kembe coalition, ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous Kembe coalition, ça, ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer tout que le gouvernement transition n'a pas une force côté. Il n'y a pas long sens ou bien long l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous faisons effort de continuer à rencontrer le secteur. Nous continuons à rencontrer tout le secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous avons avec extraordinaire. Perspective sur comment on a pas avancé côté accord 3 avril là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenant, est essentiel à succès de transition. C'est bon, bah, on peut mettre de côté et qu'on peut décider du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur, que tout simplement, on va parler avec encore. Particulièrement le son président qui invite au Vinedo faciliter dialogue et discussion. Non, certes, c'est pas aider ma dialogue là que observateur qui est relativement avisé, qui a suivi au gagné, et c'est pas problème ça au gagné, mais c'est par rapport à ça discuter. Parce que, il y a un qui dit, sous le problème de pays ça gagné, est-ce que on peut mener ce canal discuter, comment puis partager pouvoir, comment puis faire le job, ou bien des secteurs venir à défendre, dire ou pas joindre, et ça ou demander engagement que tu prends, promesse jusqu'à ce que. Il y a des bagages qui répétaient, ou quoi que nous avons demandé, est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre là, avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voulaient monde dans ce pays là, tu es obligé d'arriver là. Donc, c'est ça la préoccupation. Hein? Pas que c'est une démarche dialogue là qui est problème. Johnny Yolier, à quoi 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de parti qui est impliqué là à quoi? C'est ça lié, c'est ça qui fait ouais que ces secteurs avec CPO qui a participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base à quoi 3 avril là, et nous-mêmes comme premier ministre qui est censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que bah, il n'y a pas penché ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula, il est essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué là à quoi, ensemble avec la coalition. Ça, son nécessité politique, et pas seulement représentant CPO, mais secteur. Donc, dialogue, ça, pour nous, qui peut déboucher sous l'autre question, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, on compte ça qu'à privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition lui-même a commencé à effriter, garantit ça que nous gagnons. Et que population a acheté, Jody. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Population a un espace, ça. Pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis. L'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques, ça a engagé pour qu'un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et nous avons gardé un compromis, ça. C'est le Premier ministre, ça. C'est pour ça qu'on a un Premier ministre qui soit sorti dans le secteur ou dans l'autre. Donc, garantie que nous avançons main dans la main. Et long président, il est au Gary, il faut que nous continuions qu'il y ait main dans la main avec la coalition. Oui, c'est un bon investissement. Mm-hmm. Et pendant que parler de l'accord 3 avril là, M. Gary Koné, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? L'accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance. Ça. C'est un document important que moi, j'ai beau tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc certainement, son référence importante et essentielle pour nous dans le cadre de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des qui dit non après ça et nous voyons jusqu'à présent qui quand même soit pas respecté ou pas sous respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste même nous gagne et comme information tout qui gagne. Non, question à quoi ça, c'est que vous comptez dans quoi il dit qu'il prévoit pour ces SCP qui gèrent question directeur général, etc. Et je vous dis à quoi sous proche CPA faire comprendre que vous n'avez toute l'attitude ça vrai et que vous obligé dans la négociation avec primature pour comment vous avez changé tel DG, comment vous avez remplacé, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Non, si à quoi vous prévoit tout le bagage, vous ne pas juste appliquer le fil. En fait, à quoi et constitution prévoit comment pour DG ou non, mais
Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui introduit et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que MAP changé ou ben MAP nommé directeur général ça. Donc, la Constitution lui-même prévoit que le premier ministre avec le gouvernement a un rôle important pour jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxièmement, et deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité à CELIC, ça c'est aider nous garantir, un, que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes, deux, nous qu'un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment processus là est qu'on y a en toute transparence? Essentiellement, directeur général, il a choisi, il a identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que un, parce que nous comptons limiter, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons gardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui fait qui veut faire changer. Deux, si le directeur général a une raison spécifique pour changer, nous avons gardé dans la boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans la boîte là que nous avons promouvoir, remplacer, remplacer? Trois, si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a pas garder CV monde, n'a pas garder expérience, n'a pas garder capacité pour l'assurer que un, il pas venir apprendre métier là, l'a déjà connait comment fonctionnement est, il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui va au premier lot de directeur général qu'on connait encore une fois ça, son processus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas jamais fait grand pas ça. Et je pense que produit n'est pas parfait, produit n'est pas excellent, c'est pas qu'un coup ça ne dégage avoir un côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisit. Il y a deux catégories vetting. Il y a vetting que tout CPO fait, il y a même entre eux. Et ensuite, le vin joint gouvernement encore a fait vetting pour eux. Pour assurer que pas gain dossier, y a pas gain antécédent, y a pas trop aligné à un secteur politique, c'est pour ça ouais d'ailleurs que la nomination que nous fait là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, non, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement gain affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement sous comparé à sorti ouais avant et comment il était fait avant. Et nous croyons que nous bon un bon équilibre et là pas continuer à avancer comme ça. Les monsieur Koné tape formé gouvernement jusqu'à installation et gouvernement était clair que l'a réduit le nombre de ministres pour permettre qu'on politique d'austérité qui a appliqué et dans cadre des actions gouvernementales mais à, au gré de tout le monde il était gagné 3 ministres en portefeuille qui étaient venus ajouter sur liste 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc qui ça expliqué ça parce que 3 ministres ça aussi c'était petit qu'on lit beaucoup en plus. Ok? Donc, si nous disons que nous faire austérité, nous avons réduit les dépenses d'État, qui nécessite 3 ministres pour faire ça? D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Et ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre sans portefeuille, ce n'est pas même budget, ce n'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Et évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumelons les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères, qui, à mon avis, tout représente un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille le ministère, ça a eu opportunité pour y refaire. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. Parce que pour le et non, pas si vous organisez le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Right? Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as deux, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est vous un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de lot, en termes de local, tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint, c'est une fonction d'accompagnement du premier ministre, ce qui est très important, donc structure, infrastructure, influence, ministre conseiller, c'est pratiquement premier ministre, hein. Donc ça te banou les coudées qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois nous établis un monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. L'on pays, côté, nous avons histoire et certainement nous avons futur d'accident humanitaire. Essentiellement, ici, en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé.
qui est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner réponse humanitaire nous, pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capé de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentiel parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a gagné cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons bay moun qui responsable de portefeuille ça rend de ministre pour qu'il gagne autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le premier ministre, mais pendant on parler de jumelage là qui t'a qu'à dire c'est vrai on seul ministre vient sous tête deux ministères, mais l'autre ministère qui pas gagné ministre il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Donc, ça, ça change. Donc, ça veut dire c'est salaire ministre, avec peut-être, fonctionnement, peut-être cabinet ministre. Non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est en état qui n'est pas en place. Moi, je vois, par exemple, quand j'ai quitté le ministère de l'Intérieur, quand j'ai gagné peut-être 400 monde, je dis à lui, il y a à peu près 3000 monde. Donc, il y a une ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment vous pouvez retourner à l'efficience. Garder comment vous pouvez réduire le staff. Mais ça doit se faire progressivement. Mais si vous mettez un ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc, là, vous forcez l'entité pour commencer à réfléchir comment vous moderniser la structure de l'État et comment vous prendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. Bata kavin là et puis pour d'un coup me révoquer 30% de l'administration publique parce que me réduit la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier ça fait justement c'est qu'on met deux ministères ensemble et puis avec ça on permet moun k'ap diriger lieu reconfigurer, reconsidérer, garder ça y a besoin, garder ça y a pas besoin encore et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et processus là commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? N'a pas rappelé, madame, monsieur, sur Caraïbe FM, ou à suivre, j'en ai occasion, dans l'espace, ça, invité nous, matin, c'est premier ministre Gary Koni avec les NAPC, commenter actualité, là. Du coup, guerrier, nous mettons terme à première partie, et échange, nous, guerrier, premier ministre, et nous prenons le passé là, à une autre étape, et à un autre sujet, nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est, question de sécurité, guerrier, tout ça. Ah, oui. Dans conférence avec chef délégation Kenya, dans micro RFI également, lors sorti Washington dans PM, où tu pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne Zam Nameyo, ou peut-être tendez gagne plusieurs voix qui est levée dans PIA pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous est dit que la preuve, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit, il faut déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si on a un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si on a un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes sous la prison, sauf les dialogues, parce qu'on bon bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye, une fois que le système dans l'État reprend l'autorité, ou obligé retrouver. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand pile fois nous oublier. Selon chiffre nous même nous gagne 50% monde qui l'en gagne, c'est timonyo. C'est mineur yo. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous bayon chance tout pour comprendre que gon alternative pour yo sou gagne 12 ans. Sou gagne 13 ans, faut que ou gagne le sentiment que gon l'état cap Paris pour comprendre côté gagne circonstances. Faut pour comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société, c'est 50% de 50. Donc le m'a parlé moi-même. M'a parlé exclusivement pour mon Noël à radio, mon qui a fait vidéo. M'a parlé parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face non et de ça problème non. Mais le message était très très clair. Monde qui victime, il faut que y ait justice et il faut que y ait réparation. Pas qu'à aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'à gagner la paix sans ça. Moun qui gagne zam yo, pas qu'à gagner zam sans ça. Mais, point qui est plus important, j'en nous a jugé les 6 semaines de bim là, nous, ouais, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, son manœuvre pour me capable assurer, moi, que l'État capable reprendre ses droits, tout côté qui gagne dans le territoire, et de manière très active. Et m'espérer que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelques temps. Alors, non, mais, plus explicite sur mot ça, déposer les âmes.
ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les armes veut dire que monsieur a suspend tiré, il a suspend occupé route nationale, et puis il a rentré dans la base, yo, et puis là, ça, on a dit, bon, nous pas garder, est-ce qu'il n'y a pas la kyo, ou bien déposer les armes veut dire carrément remettre les armes. Déposer les armes, les dit ça. Déposer les armes, les dit ça. Vous voyez, les armes là encore. Et deuxième, là, tout aussi important que première, qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police. L'État, c'est la justice. L'État, c'est le ministère de l'Intérieur. L'État, c'est les structures de l'État. Donc, second problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec l'examen là moment, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer que... des armes et puis rendre tête où ça sont leur casse-fait ça. Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain dans mon là et second nuance qu'on voulait faire que peut-être que moi-même pas tout à fait qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre parce que pour moi il est assez clair. On démarche. Démarche là c'est que sous disposer suspendre faire son affaire. Rester ou comprendre que le pas bon pour vous, il pas bon pour pays. Il n'est pas bon pour maman ou papa ou soeur ou frère. Il n'est pas bon pour génération. Que ce soit fait excessivement grave, mais dimanche, je voulais qu'on fasse. Je voulais qu'on remette ça à mon moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le vin chercher. Et le ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait, c'est détruire ton pays. Si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes. Et qu'on rend compte, et ça arrive, qu'on rend compte de l'effet que ça a sur le pays. Et qu'on décide qu'on ne peut pas le faire encore, mais dimanche là. Mm-hmm. Ça prend combien de temps? On dit qu'il y a un mois, il y a deux mois pour faire ça, il y a un an. Entre temps, depuis six semaines, on a organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous. Pour nous arrêter, et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne pouvons pas attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, je viens, le arrivé, premier côté malé, c'est le camp des déplacés. Le camp des déplacés, ça, moi, quand on est jeune, qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois, et qui a expliqué que je vais à l'hôpital, parce que pas rien à l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière et zone métropolitaine détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je baille accès à services de santé. En moins de deux semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, n'a pas pour nous tourner sous ça, il est à fait 8 heures à 1 minute, c'est là quand même pour nous observer pause drapeau, n'a pas retourné après nous pour parler de sécurité en long et en large. Merci parce que vous étiez fidèle à la télévision Caraïbe. Regardez à vous tout le monde, n'a pas tourné tout à l'heure. 8h à 4 minutes dans tout studio Caraïbe FM, toujours sur le journal Créole, première occasion, espace Grand Boulevard. Depuis avant pause là, nous tapons recevoir Monsieur le Premier ministre Gary Conny avec l'INAP essayer commenter l'actualité. En premier temps, nous avons essayé de garder et rentrer dans le poste là, garder le mode de gouvernance. Li. Et puis, non, deuxième temps là, n'a pas abordé question sécurité, qui sont questions fondamentales. Pour tout haïtien qui vit ici, tant que l'autre bord de l'eau. Monsieur le Premier ministre, où tu as annoncé l'État pour reprendre le contrôle du pays, caille par caille, et quartier et par quartier, ville par ville. Très récemment, nous avons déclaré l'état d'urgence sécuritaire sur le pays, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas sentir rien véritablement comme suivi, sinon. Bandio continue à piaffer, notamment dans Gantier. Nous avons expliqué ça la matin. Côté bandit prend contrôle commissariat, machine boulée, élève 9e année perdu en journée examen, supposé ou au courant. Gressier, c'est vrai, on dit la police a fait des interventions, mais toujours est-il gain des territoires ou bien des espaces qui en bas contrôle bandit. Carrefour, dans le moment où on a parlé là, pas gain policier. Et nous avons expliqué, gagné surtout toute la sortie portail et organe pour arriver dans n'importe niveau sur national numéro 2 avant région des Palmes. L'État presque absent. Est-ce qu'il y a un paramètre ou pour mesurer l'autre a fait annonce ça ou bien et la population devra encore attendre? Johnny, nous sommes fatigués. Nous avons plusieurs années là. Il y a vécu une situation inacceptable et il a commencé à impatienter. C'est légitime.
Donc, je ne vais pas venir là pour me faire aucune excuse. Ça a besoin de ces résultats. Il y a besoin de ça tout changement dans la vie. Il y a besoin de suspendre les soeurs, les mamans qui ont violé par gang. Il y a besoin de retourner la caille. Il y a besoin de prendre manger des sannes. Il y a besoin de aller en province le ouvrir. Donc, je ne vais pas venir là pour me faire ni excuse, ni explication qui, à mon humble avis, va aider. Même qu'à tout un ensemble de choses. La première, c'est qu'au sortant des colonels Rebu Dioula, expliquez comment que tout système, incluant solution, accompagnement, blindé, système de la police là, inapproprié. Le système, ça a mérité. C'est lui qui me joigne. Il ne peut pas changer dans 6 semaines. Au sortant des experts, disons que toute structure, toute approche, toute stratégie, tout élément, n'est pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est l'héritage ça que mien moi-même. C'est l'imjoine que n'a pas essayé tranquillement avec DG Rameau changer, ranger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Ma preuve l'ombre et m'a aidé à me rappeler aux auditeurs. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Salvador, président Salvador, il a monté en 2017 avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. Trois fois plus que mien sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que nous commencions un vrai progrès. Ni Jamaïque. Jamaïque gagne 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes n'avons rien. Ça prend 10 ans avant de contrôler gang. Colombie. Colombie gagne 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il n'y a pas été de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que nous ayons avancé. Brésil, je veux dire, Brésil qui gagne presque 65 000 policiers et l'armée. Il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, nous te dit, peuple, à tout l'adresse à la nation, non? Que ce n'est pas un qui pourra le prendre temps, ce n'est pas un qui pourra demander engagement de tout le monde, et ce n'est pas un qui est facile. Donc, nous obligés d'abord de faire état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, j'ai 6 semaines. Mais chef de police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gagne. Et la première chose que nous obligés de faire, c'est ça, couler dans le rébus, ce dos-là, c'est faire état des lieux. Gardez-vous avec votre capacité opératoire, li. Gardez-vous avec qui ça a en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement. Comment est-ce que vous pouvez faire alliance avec toute multinationale qui l'a eu? Comment vous pouvez organiser lui-même pour être capable effectivement avancer de manière irréversible? Et ou bien citer discours au début, hein, mais en citer tout, discours plus récent, côté que nous très franc en population. Ça, là, il faut demander un engagement collectif, il faut demander une solidarité, il faut demander que tout le monde mette la main à la patte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, moi réuni tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Je fais une grosse réunion une semaine ça avec le ministère de l'Intérieur, m'inclut le ministère des Travaux publics, m'inclut tout secteur qui a un lien, m'inclut APN, m'inclut la douane, m'inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça a réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours risquent la vie, qui tous les jours, l'autre jour, avant hier soir, nous parlons, vendredi soir, nous ne parlons pas de ça parce que nous ne voulons pas médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement en patrouille pour descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, on est en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme la ville, est excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on est arrivé en 6 semaines, et puis avec l'héritage que le colonel Rebu vient juste de décrire, donc, ce temps des gens le découlent, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levé, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années. Yo. Et vous ne pouvez pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chita avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, n'a pas essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer Wally de manière plus efficace. Mm-hmm. N'a pas gardé tout comment nous avons utilisé service d'intelligence non, qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagailles que nous avons demandé international là pour nous avoir accès à la technologie que nous n'avons pas gagné avant, qui permettent nous, l'un après opération, nous capable beaucoup plus assurer nous que, un, nous minimiser l'impact
collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les monde qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer policiers minimiser impact sur police là. Donc rôle nous même comme premier ministre c'est assurer nous que un tout ça nous avons besoin pour opérer là coordination de tout asset que nous gagnons pour une clarification une mise à disposition de forces qui pourraient intervenir et puis n'a rallier tout le secteur. M'daimen Zoumbaye, Johnny, m'daimen bon 2 minutes pour me dire. Point work que vous trouvez qui est plus extraordinaire que les autres. M'rive là, m'joigne que communauté haïtienne l'a délégué question sécurité à la police. Comme si m'dadou, n'abtan la police là fait travail li, parce que c'est responsabilité li pour rétablir sécurité. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, l'en dimension ça, li concerne la justice, li concerne les travaux publics, li on voulait communication, nous pas réussi sans médias. Les gens voulaient information continue, les gens voulaient participation communautaire, population a un rôle libre de jouer. Donc, là, tout le monde chita en écart et puis Wapton, c'est police-là pour résoudre le problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc, premier, ça n'a pas essayé de faire, c'est rappeler tout le monde, même en Haïti. L'un côté, nous, ouais, nous gagnons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous gagnons la police seulement, nous gagnons parce que communauté, collectivité, l'autre agence joue au rôle effectivement. Mm-hmm. Et c'est ça, à mon avis, tout nous avons pour changer et que nous avons changé. À la seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui a dit dire le nouveau chef qui l'a culté, vous autres au niveau du gouvernement, culté directeur général de la police. Là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a des attentes avec des signaux qui étaient voués. Vous avez dit ah, même si nous rejoignons, nous en avons besoin, mais nous sommes sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que bah, y a une méthode. Première méthode, là, c'est que nous rentrons, en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons chef police qui était là, pour nous voir s'il a fait travail là, j'ai nous-mêmes nous une vision. Nous prenons une décision que nous menons du 109, ce que nous faisons. Mais nouveau chef police, ça a fallu longtemps pour l'évaluer, les police, pour le faire évaluation, pour le temps des colonels Rébus fait là. Pour nous voir si stratégie que nous héritons à. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joint là, c'est hérité, nous hérité. Donc c'est d'abord pour nous, un, comment nous continuer l'opération pour nous protéger la population, hein? Deux, comment nous réorienter la stratégie globale là, trois, comment nous intégrer l'autre aspect de sécurité à l'Ijam Sotzoula qui n'est pas intégré du tout. Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Quatre. Donc nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous gagnons des instruments en main. Que ça avait au bon travail, et au fur et à mesure pour changer, pas gain policier, là, mars, que m'ka chercher pour me faire descendre. Donc, faut m'garder pour moi, côté limitation, et comment m'ka gérer. Mais deuxième bail, encore, m'trouver qu'important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas gain excuse, population apten, nous, et nous obligé d'aller vite pour lui. Mais nous obligé d'aller bien pour lui. Parce que moi, pas tellement d'accord pour, ou alpha opération mal calculée, puis pour m'gain 100 citoyens haïtiens, long communauté qui blessé ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que je fais hâte et que je ne suis pas bien planifié. Que... Ou pas qu'on ait combien blindés je suis semaine passée, quand même aujourd'hui. Ou pas qu'on ait combien fusils snipers que je suis semaine passée, quand même aujourd'hui. Ou pas qu'on ait combien je suis demain. Donc, je suis timé l'opération sur la base de assets que je suis, capacité à équipe pour utiliser. Et ça, nous pensons que nous avons dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a. Pas au courant de toute information, ça, yo, c'est normal que j'ai l'impression que bah, yo parle très lentement. C'est tout à fait normal. Mais vous attendez, ma propre pour vous attendez, colonel Imler, et puis décrire tout problème qui vient en opération, ma propre encore une fois, que c'est héritage que mien. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposé là. Yo. Et ça, les chers amis, c'est bon, bah, nous avons fait en 2000. Et nous avons héritage PM, alors nous-mêmes, nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon l'ancien directeur général, a manqué de moyens, et ou peut-être sauté et évoqué là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on gagne là, ou du moins dans CSPN, nous posait question? Et est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué, mon ami là qui a envoyé plusieurs messages, bon moi il dit gagne une question drone, est-ce que la police par rapport à configuration zone yo capable mener en bataille contre gagne sans d'hélicoptère de combat?
Est-ce que, peut-être, je ne vais dire, est-ce que n'a pas gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons des résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va me recommencer à le même pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que j'ai les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement, on va citer là, c'est pas des équipements qu'on a joué dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire si une place c'est commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc tu as entièrement raison, et c'est réévaluation ça qui a fait et qui finit fait. Avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté de dire population, que l'Iboual mandé pour nous prendre patience, l'Iboual mandé pour nous avancer pas à pas, et l'Iboual mandé pour nous avancer ensemble. Mais pendant qu'on parle de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça m'y ni ça m'y a, DG Police n'a pas d'abjet me pardonner. Mais moi, je dis que je suis beaucoup plus équipé que je il y a 6 semaines. Et moi, cadeau aujourd'hui, avec certitude que nous pourrons avancer. D'ailleurs, pour qui ça, nous prenons ta d'urgence dans la semaine ça, pas semaine d'avant, qui pourra nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça pourra demander participation de toute communauté. Pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer. C'est nous pour élever pour nous dire qu'on bandit. Collectivité territoriale, il faut nous faire réunion avec les deux notables communautaires pour communauté ou un plan d'urgence et un plan de sécurité. L'hôpital fait pour fonctionner. Travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer. Intérieur fait pour faire travail et pour bonne intelligence en temps réel. Tu comprends? Donc, nous avons un pile secteur. La douane, APN, maintenant, est-ce que vous êtes beaucoup plus efficace dans l'aide à contrôler les âmes qui ont rentré? Pas aucune communication que tu as faite avant différents secteurs. Ça, le partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. Ce n'est pas moi qui te dis le encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mette tout le en contexte. Vous comprenez que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous qu'à percevoir. Non, c'est certain, rapidement, Captain Dela, Cap Dio, Monsieur le Premier ministre, donc, j'aime d'abdil d'Aloya. Nous te connaissons, vous l'avez mis là, donc, c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur vous. Vous parlez de l'hôpital où vous devez fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où vous avez visité l'hôpital général, où vous parlez avec la presse, où vous faites des déclarations. Mais pour PIA, Monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, l'été pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis à la, pendant que vous faites ces choses avant, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service à reprendre? N'a plus gros centre hospitalier pays. Johnny, affaire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qu'ils sont au monde d'accrasion l'hôpital. Je ne comprends pas puisque même si vous-même, sur la gangouille, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le bail côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que vous détruit de l'hôpital qui en fait. C'est vie moun qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, me fais résidence pour l'hôpital général, kadou que l'hôpital général te connaît recevoir 1500 moun par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent dans le privé, te viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que m'kadou, que même dans les pays en guerre, que moi m'ba, ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly, à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, ils nous prennent les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que Mounio ka sorti et vini. Et ça, j'en tape expliqué le talent et j'en rebutil, ça a mandé une infrastructure, ça a mandé une capacité qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxième manteau, m'pap bon menti, ça, moi-même, je descends là. Niveau de réparation, pas l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Vous avez une évaluation des gars? Nous faisons première garde, comme des gars, le ministre de la Santé publique, là, pour le descendre avec toute équipe, li, avec coopération internationale. Là, là tout c'est une bagarre, nous allons faire un talent à Washington, parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible.
Et aussi même qu'on est travail construction tu es très loin ou songer avec le bâtiment ça c'est vrai beaucoup opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité. Donc, Kouniala, on a pu regarder avec la population française qui t'a supporté, non? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place? Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, car au moins commencer à fonctionner, commencer à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui le sac à faire, le premier de temps. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je me toujours dit au monde ça. Bon, prudence pour rien, pour pas faire promesse, après ça, vous dit, yodou, vous avez dit l'an de semaine et pour pas bailler de semaine, parce qu'il y a un impondérable que moi-même, moi, pas contrôlé. Et je voulais toujours bailler la police, espace-li pour faire opération en fonction de l'intelligence-li et en fonction de capacité. Je vais laisser politique qui guide action policière. Mais ce que je vais dire, nous poursuivons, et nous pourrons ça d'ailleurs dans les prochains jours, que nos zones, ça, sont zones. Nous prenons au sérieux, nous prioriser, parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant qu'on n'est pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, faut faire opération dans reste capital là faut couille monter grissier leur besoin faut capable besoin mais by pays à minimum de réponse que le besoin et nous toujours gain 7000 8000 9000 effectifs on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair l'autre chose aussi qui est particulière à Haïti comme bajan moins chaque fois on forme 450 policiers gain 450 qui parti dans Biden donc au fur et à mesure qu'on forme gain qui pour aller donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui est multifacette, multisectorielle. Mais au fur et à mesure, où il y a des coups à prendre, qu'on est obligé d'ajuster. C'est pour ça que bah, il va pas aller aussi vite que tu dois aller. Après, on a fini de gagner malaise là, côté où tu es transporté aux urgences, l'hôpital, monsieur le PM. Nous sommes au un message où tu es adressé avec PIA pour te faire une nouvelle. Et Gomba, on te dit qu'il est fondamental que nous autres nous te souligner ici. On te dit après expérience ça désormais, donc santé a rentré dans liste et priorité. Et nous songer, nous avons une réponse à nous là ou évoquer ça, monsieur le premier ministre. Donc est-ce que jeudi après n'a parlé à secteur ça toujours priorité ou et si oui depuis leur montée dans 6 semaines jeudi là, donc qui ça fait? Ok, qui ça voué comme signal qui t'a fait mon coup aujourd'hui, à si t'a trouvé le non situation, même j'avoue, l'autre trouve là dedans et que le pas de bon moyen et que le cas est en vie. Il y a 3 composantes. Première composante là, j'en dis là, c'est question sécuritaire. Nous obligé de prendre une zone qui je dis pas accessible et ça est en cours. Nous travaillons avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante, là, en souvient-temps, regardez pour nous faisons finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on regarde pour le ministre de la Santé publique, là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capables de restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, sont considérées comme insécures, mais tout en renforçant. Côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple. Premier semaine de Montréal, il y a un premier côté malé, c'est que mal visité un soldat qui prend balle. Côté que épine dorsale est séparée pour une balle, mal rencontré dans l'hôpital qui est sous Delma. Comme arrivé, directeur de l'hôpital là, dit-moi comme ça. Premier, parce que l'hôpital général là, dans la situation que l'IA, nous complètement dépassé par les événements. Premier, ça nous dit, ministre, c'est que faut rejoindre nos gens pour que l'hôpital satellite, ça y est, centre de référence satellite, ça y est, renforcé par les ressources qu'il faut. Et deuxièmement, que la population réorientée dans la zone, ça y est. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons, bah, le ministère de la Santé publique là, ça c'est le deuxième intervention. Mais troisième intervention, qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est, et c'est ça que fait nous-mêmes dans Washington, c'est réorganiser assistance externe, qui sont une grosse partie de l'investissement que nous faisons pour que financement par pour qu'au fur et à mesure, nous récupérions le territoire. Et quand vous voulez, Johnny, nous récupérions, nous avons restauré l'État. Ça veut dire rapidement, oui, mettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire, pour que leur population a retourné à la caille et rejoigne. On va dire qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars, t'es planifié dans des projets éparses qui partent complémentaires à l'effort de ces. Que notre affaire et je dis à nous gain ça donc c'est 3 dimensions si tu veux approche là que n'a fait autant que nous capables et m'obligé dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère ou pas gain local le ministère de l'intérieur je dis à pas gain local et bon staff qui est mobilisé pas gain local parce que
bandits mettaient au dehors. Oui, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça, je veux dire. Oui, c'est qu'on comprend le local, le bâtiment, oui. Oui, non, le bâtiment là. Le fait, c'est que vous avez un local, puisque vous n'avez pas qu'à utiliser. Donc, vous obligé de rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoralisé, 25%. Ma pour une organisation, ma pour une agence qui est au FNAC, imaginons au FNAC, soit une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a, qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a gagné il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient qu'à rapidement rentrer et intervenir, pas là parce qu'ils ont quitté le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, il y a nous pas là pour nous excuser, nous faisons un travail. Mais ça n'a pas aidé. Et moi-même, je vous demande pour nous, je vous question pour nous. La transition, ça n'a pas réussi sans les médias. Et quand je suis écouté la nouvelle, je vais partager avec nous ces frustrations. J'ai l'impression que la nouvelle là est comme si on parlait de Koweït. Ou bien on parlait d'un autre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, son responsabilité collective liée. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne parle pas de séparer avec nous, nous capables de choisir de faire de Gary Conil l'ennemi. Son choix. C'est nous capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gary Conil. Ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. Ce n'est pas élite économique et politique qui a mis gang. Ce n'est pas la politique qui a pays en otage pendant plus de 20 ans, qui pugé pays à travers la corruption. Ce n'est pas l'absence d'organisation. Ce n'est pas les trois dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable de argumentaire. Mais moi, je dis, nous avons besoin des médias, nous besoin de la presse. Nous besoin de la presse, aider à me rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre la tête, aider à nous utiliser, ben nous des conseils constructifs, participer dans le processus. Là. Parce que nouvelle là, ce n'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon Haïtien qui a mouru. Donc, moi-même, on a fait plaidoyer par nous et nous trouvons que c'est tout à fait légitime. Mais moi-même, tout le monde. Non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Peut-être probablement que doit pas, ouais. Ou bien, ou bien, doit finir de nous tout décision ou si tu es réduit en pile, ou bien, je vois le débat. Donc, c'est parce qu'elle parlait, c'est parce qu'on entendait. Johnny Bamando, d'ailleurs, expliquer ça, la population. Le policier mieux font un paquet d'efforts pour libérer les zones d'hôpital, là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, on média, le lendemain, dit que les bandits reprennent l'hôpital, là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'haïtiens? Eh bien, bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, mais ils n'ont pas arrêté. Mais bandits, mais toujours, je ne vais pas empêcher bandits de tourner. Ça, je garantis que c'est que depuis qu'ils ont tourné, il y a besoin de résistance. Ça ne dépend pas de nous, mais ceux qui dépendent de nous en nous fait, ils n'ont pas grandi le périmètre là. Donc, de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information. Mais PPM, peut-être ça peut être au Guénois, mais on n'a pas partagé avant. C'est que. Information ça a libéré parce que effectivement t'es gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là qui t'est déplacé et là elle t'est déplacé même l'autre policier qui était dans espace l'hôpital là t'es dit au même y a pas en sécurité parce que blindé a ses protections yo l'est déplacé parce que t'es gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans moment ça effectivement t'es gagné un pile tir de bandits dans la zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal. Là. Donc, il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là, jusqu'à Porta et Léogane, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si je vais acheter un médicament, bon l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que je connais, bandits auraient été en distance de moi. Mais question aurait été, tout simplement, en dedans l'hôpital là. Il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que d'en poursuivre. Mais il faut commencer à côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vient, c'est pas une priorité. Hein? Donc ça me veut dire, voilà, oui, commencer par reprendre le premier périmètre là. Et au fur et à mesure, on est obligé d'élargir encore une fois avec des assets qui ont augmenté, qui ont amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qui a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'il y ait même que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence. Ou bien l'hôpital là, ou bien le pays là.
l'accès à des soins de santé. Je vais vous aller vite parce que vous avez un peu de temps. Oui, parce que la Tibonite PM, mon yo plein, yo dit, yo focus là, plus souris, je vais tout pour l'éternel, alors que dans la Tibonite, la situation n'est pas bonne du tout. La situation est en mangomè, donc je connais comment le gouvernement travaille sur ça, qui est sur force là pour nous faire là, etc. On a les rapides. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a deux contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui ont dit ça y a réglé, hein, qu'il reste ces troupes là à venir. Connaît-il tout de l'autre pays qui était annoncé à envoyer soldats ou policiers dans les forces là, matériel avec l'argent dans quatre missions, dans quel niveau nous y Nous, au niveau côté que jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que y a un bon engagement. Mais là encore, qui est des choses que nous ne contrôlons pas nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'arrivons. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça, qui prend engagement depuis plus d'un an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre Gounia, côté que nous discutons pas plus tard que hier avec ambassadeur, à pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec ambassadeur des États-Unis, au ministère permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tout partenaire bilatéraux, même personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sous financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Gounia, une fois en première évaluation. Nous vraiment espérons que dans les prochaines semaines, après eux, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter du bail très important. Je pas faire moi-même les erreurs du passé, je pas prendre ça. Moi, je trouve que y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que c'est pas moi, mais vous me direz, 10 000 va passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons nous ensemble jeudi, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui a fait nos promesses, rencontrer nos promesses, nous n'avons pas prêté l'attentisme. Il n'est pas question pour nous chiter à temps, nous n'avons pas avancé avec nous. C'est ça que je suis très fier de M. Policier jeudi, qui lui a fait l'opération. Maintenant, Kenya est là, tout qui là, des contingents là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a aidé sécuriser des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous besoin. Mais j'en dis, nous, n'obligez à avancer. Le nous senti que, un, opération a minimisé les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. Deux, à permettre que la police là lui-même n'y pas à prendre des risques qui sont inutiles. Trois, tout gain nous fait, on n'a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça a fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous, pour nous des idées, tout sous question. Nouvelle équipe, ça a hérité de l'ensemble de contraintes. Ce n'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre. Mais conseil de bagaille, si vous avez fait, vous avez bêté, vous avez un signal qui a voué pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, je dis à la conseil présidentiel de transition, dans tout document qui est écrit, vous avez dit siège, c'est pas le national. Il n'y a pas qu'à aller parler de la Soudan, il a décidé de parler, mais c'est pour mon plaisir. C'est parce que tout simplement, palette est une menace dans le jour. Et jusqu'à maintenant, il faut que. Ministre intérieur, ministre intérieur, ou même, ou titulaire, ah, il est. Vous comprenez, bon, nous avons dit, depuis qu'il a descendu, il va travailler normalement, etc. Alors, ce que vous avez dit, soit parler de absentéisme dans le niveau d'administration publique, vous avez considéré comme tel, soit pas en descendre. Bon, je pose une question à tout le monde, soit descendre, soit aller dans le ministère intérieur. Tu sais, encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit. C'est que j'ai des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que je peux utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir graisser. Donc, c'est le choix qu'on fait chaque jour. Parce qu'il faut comprendre, chiffre 7000 là, il va suffire. Si on prend un exemple d'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même par une zone comme la zone métropolitaine exclusivement, mais le pays, trois fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sous la base de l'intelligence qu'on gagne, sous la base de risque qu'on gagne, sous la base de l'équipement et capacité au gain pour déployer, j'ai eu qu'à déployer pour nous sécuriser. Même moins qu'à dire, effectivement, parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure, encore une fois, nous sommes dans des lits, l'hérité d'une infrastructure qui va approprier et nous demander de faire miracle avec, et malheureusement,
Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment nous avons maximisé l'infrastructure nous avons là, comment nous avons maximisé l'accompagnement que nous avons, comment nous avons cherché l'autre asset que je dis, qui parle en jouet là, pour nous capables de faire la population, ça l'obtient de nous. Nous avons pratiquement fini, M. le Premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de nationaux, qui démontrent que Gagnon, même, n'est pas formé de par eux-mêmes, mais qui soit dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participe d'alimenter, est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous avons voulu pour attaquer les gars surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amont? Écoute, absolument, absolument. Si vous ne pas arriver là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seul les monde qui est responsable, ça n'a pas vivre là. Je dis évidemment qu'on y a en première ligne, c'est ça. Mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous y a encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous gagnons 17 mois. Et agenda et mandat ben moyen excessivement limité. Et nous-mêmes, encore, nous sommes dit excessivement ambitieux. Et une des priorités, c'est de rétablir un minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc, c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. En tout cas, nous parlons là, nous avons un 22 mois, on a bien respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'a conseil électoral, m'a demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour le travail, même sur si on a une élection le 7, qui ça pour faire, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le, et qui le pour un minimum de sécurité pour nous avancer. Sous base analyse, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si c'est objectif, réalisable ou pas. Évidemment, pour répondre aux questions de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile discussion qu'a faite là, qu'on y a autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je me considère comme un échec énorme, c'est qu'on arrive en novembre et qu'on n'a pas gagné l'élection, ou bien qu'on arrive le 7 février et qu'on n'a pas gagné des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, ouais, CPT a travaillé sous conseil électoral là, mais espérer qu'on a bien très très vite, et puis pour mettre nous, que je retourne devant la population pour me dire, mais ça nous a fait réalistement. Mais dashboard là, mais calendrier pour nous monitorer. Et le ça, si nous avons sorti le calendrier, nous même avons carré pour nous. Pas gagner l'élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée. Absolument. La radio, pour ça, pas concentrer sur ça. Parce que les gens qui ont écrit la paix, vous avez demandé qui est route Gros Sud l'a débloqué, qui est route Canada l'a débloqué, qui est on a capacité de faire ça. C'est ça, vous voulez. Et ça, vous voulez. Et vous avez raison. Et vous avez raison là demande. Vous avez raison. Vous faites preuve d'une patience extraordinaire. Et moi, je comprends et je compatis. Mais de l'autre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait en DA, expliquer où ça nous-mêmes nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement. Et rassurer. Justement, déjà là, on a fait évaluation. Avant même nous essayer de entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous a fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entrepreneurs, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, nous déjà en cours. Mais maintenant, nous promettons que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, en Vinchita avec nous, pour me dire exactement ça que je vais livrer à l'intérieur de période que je vais moins pour me dire. Avant, allez. Alors, le magistrat de Bouillot, on a parlé de paquet de CO qui gagne 2 semaines depuis qu'il est en grève. Donc, je me demande, est-ce qu'au courant, si oui, de concert avec le ministre de Justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendications soient satisfaites. Et il y a une autre question, il y a une organisation, Droit Monde, qui dit, demande PM, non, chiffre 50% membres gagnent, c'est des mineurs là, à côté de Joanny. Est-ce que tout, c'est pas une base, on a cherché dans niveau pire au niveau de l'État pour qu'on soit capable al chita parler négocier à gagner l'ennemi dit que 50% non membre gagner c'est mineur. Donc deux questions, question grève dans niveau magistrat de Bouillot, donc paquet de CEO et 50% encore une fois pas quoi rien dans comportement qui montre que m'a cherché parler. OK, moi-même ça m'a cherché faire c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que moi reprendre territoire, m'arrêter moun qui pour arrêter et nous rebailler pays à tranquillité. Donc question que tu as posée, c'est si eux même ils veulent une conversation, moi dit mais dans quelles conditions. Donc il t'a pas cherché ça. L'État lui-même a
travaille pour que li reprenne territoire, li arrête moun ki pa gen droit de douane, li bay moun ki gen justice, moun ki besoin justice, justice, c'est ça comportement d'état. Mm. Question de poser, c'est que si en face ou bon mais ça pour passer avant. Mais deuxièmement, UNICEF gen que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25% gros nombre significatif de gangs selon indicateur nous gagne qui c'est des timoun jusqu'à 12 ans l'autre jour encore quoi nous bay un rapport donc timoun 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc son composant importante lié et l'on a fait type d'opération ça on va pas tenu compte de ça l'opération on va pas traiter au petit monde 12 ans donc on traite en adulte ça son réalité que me comprendre qui met monde mal à l'aise mais son réalité côté que un monde qui responsable un monde l'état responsable obligé et mettre facteur là dedans on pose un bouton pour gaffe pas que tu es tout à fait au courant de ça comme ministre de la justice a travaillé activement avec eux pour joindre une solution de compromis et n'espérer que dans les prochains jours son situation qu'à résoudre. Mais m'inviter nous tourer l'île pour nous beaucoup, beaucoup plus de détails sur ça. Et on voit alors dans une situation économique là. Nous avons un grand goût dans la rue, il y a une riche, on voit une question de gaz là, nous sommes montés là, une question de dollars. Nous avons fait tout le journée, mais au moins, nous avons fait tout le journée, mais c'est une première conversation. Et nous avons dit, entre temps, nous mettons public. Qui ça nous quoi comme priorité non pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou kagadeo. Et très bientôt, tout ap kawe que chaque ministère qu'on y a pour tourner une joine nous, pour nous exactement ça, pour le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, ap kagade pour exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais, Johnny, vraiment fun qui doit aller. Parce que vous avez souvent fait tout ça avec nous, mais nous espérons, nous avons fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment, ouais, auditeurs, auditeurs poser plus que sur passé. C'est normal. C'est normal. Parce que vous avez des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que, dans la nation, on te dit, il y a des mesures concrètes qui peuvent être là, puisque nous avons fait plusieurs semaines après avoir avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a vu ça. Qui les a mis, qui ont dit service renseignement, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question, parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai, c'est cette vraie information qui fait quoi que Gary Kouni, comme premier ministre, vient là, il rapatrie tout. Moyens, l'argent, comme renseignement, le gouvernement primature, des organes primatures, la fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois. Moi-même, je connais que son que là, la Radio Caraïbe, et je connais nous, c'est des journalistes. Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, etc. Et moi-même, personnellement, je ne vais pas réagir à toute qualité de rumeur, bagaille mon dit, bagaille mon pas dit. Autrement, ouais, laisse à vrai, je ne vais pas pour m'occuper de sécurité. Mais je ne vais pas l'entendre de tout. Ou quand on essaie de réfléchir, pour voir si il y a ça sous-même, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille qui est piactif? Je promets tout que dans les WAP, sentir très très vite. Ça, je promets tout ça. Nous travaillons. Et il faut travailler en coordination avec la police. Donc, faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et je promets tout que nous allons sentir ça très vite. Et Johnny Guerrier, vraiment, merci. Merci pour le travail en affaire. Merci pour le champ d'affaires là. Merci parce que nous avons une pression sur le dirigeant pour nous délivrer. Merci le fait que nous aidons à communiquer, même d'ailleurs, mais nous tous, un peu plus engagés dans l'idée population à comprendre que sécurité n'est pas là à faire la police seulement. C'est la fête tout le monde, c'est la fête tout le secteur, c'est la fête secteur privé, c'est la fête. C'est pas parce qu'on monde plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là, pourquoi que ça a passé en bas ou à la police? Donc nous besoin de la police. Exact. La balade bonne et tout se pose une question, c'est une gros priorité pour nous. Ou mettre quoi, moi, réfléchir pour nous comment nous allons entrer sûr, mais nous allons entrer sûr. Et le mot, parce que nous avons comparé avec le passé, c'est pas seulement entrer à faire opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois nous tourner. Faut capable faire opération et puis ensuite faut capable consolider et consolidation demander un peu plus de réflexion. Monsieur, merci beaucoup. Hein. Merci, c'est le bon merci, monsieur le Premier ministre, parce que vous êtes disponible pour te répondre à une question. Radio-Télévision Caraïbes, nous excusez-nous auprès de une quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes. Quand vous voyez question nous, c'est dommage, nous n'avons pas de chasse faire. Et ça, avec ce qu'on est, nous espérons prochaine fois. L'envie, mais ça c'est auditeur qui a posé une question, nous-mêmes n'avons simplement servi d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est ton plaisir. Dans le doute sur information, yo, s'il te plaît, service de presse, même faut admettre que son gouvernement est excessivement transparent. Service moi là pour vous renseigner, nous, pour vous donner information. Avant de courir avec vous, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous gagnons la bonne information. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, merci. Monsieur le Premier ministre, pour parler du Caraïbes FM. Merci. Voilà. Nous avons parlé avec Dr. Gary Kouni pour